à chier. Au boulot, y'a un patron. Yo les gens, c'est Darker77 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment, les mises à jour de la 1.4.6. Donc, je vous montrerai pas tout. Puis si vous voulez que je vous montre plus, soit vous me demanderez, soit vous me le direz dans les commentaires. Et puis à la limite, je ferai une deuxième partie. Ou sinon, voilà. Donc attaquons tout de suite, donc je vais pas montrer forcément de nouveautés, je vais montrer aussi des trucs que je n'ai pas montré et que certains ne seront peut-être pas et que d'autres seront. Donc on peut colorer les armures en cuir, donc ça fait déjà depuis quelques versions. Donc ça je vous apprends rien, je fais juste un petit truc. Ça c'est nouveau, c'est pour créer ce que l'on appelle la Firework Star, donc l'étoile, enfin la poudre d'étoiles filantes, enfin ça s'appelle comme ça. C'est assez bizarre. Enfin, c'est pas grave si je l'ai mal dit. À la limite, vous me le redirez dans les commentaires aussi. Donc, il y a plusieurs crafts. Donc, il y a ce craft-ci, ce craft-ci, ce craft-ci, ce craft... Non, ça donne ça. Donc, je me suis fait chemire pour rien alors qu'il y avait un truc ici. Il y a ce craft-là. Bon, le moins coûteux reste... Ah, je l'ai pas mis. Bon, attendez, je vais le mettre. Je vais tout de suite le mettre. Normalement, il y en a un qui se craft... Donc je vais vous montrer. Comme ceci. Bull Slim. Ok. Donc en fait on vient d'apprendre quelque chose. Donc au pire je vais tous les crafter. Donc on va s'éclater. Allez. Hop. Hop. Attendez. Hop. Hop. Faut que je me souvienne des crafts. Hein. Oui donc j'ai les têtes dans les mains. C'est normal. Donc là celui-là. Hop. Vous voyez, il y a beaucoup de crafts. Hein. Ça revient au même, je pense, à chaque fois. Hein. Dans l'inventaire du mode créatif, il y a celui-là par défaut. Après, Small Bull Slim. Ouais, donc je pense que c'est en rapport avec les couleurs des feux d'artifice. Ouais, je pense que c'est en rapport avec ça. Donc... Les feux d'artifice, je vous montrerai après, que je n'ai pas fait au préalable, bien sûr. Donc, craft des feux d'artifice, une fois que vous avez... Sinon, je peux essayer... Bon, je fais juste un dernier craft, hein. Parce que je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, voilà, donc... voilà. Donc, je ferai des feux d'artifice avec ces Firework Star-là. Donc, c'est toute celle-là. Donc, le craft, donc c'est... une de ces Firework Stars là, que tu peux remplacer celle-là, du papier. Alors ça peut être une gunpowder, 3 gunpowder ou 2 gunpowder. Donc normalement 2, 1 c'est moins long, 2 c'est 3 c'est plus long et 2 c'est moins long. Donc ici il y a des livres Enchanted Book. Donc c'est des livres enchantés comme ça le dit. Par contre j'ai jamais compris à quoi ça servait. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Hein. Et aussi une nouveauté, donc j'ai pas de mode, hein, à part Nodus évidemment. Mais je n'ai pas de mode, sinon, je sais plus, ça s'appelle 3D items, le mode qui faisait ça dans les anciennes versions. Les items, quand on les jette maintenant, ils sont en 3D, voilà. C'est une mise à jour de la 1.4.6, vous voyez, ils tournent. Avant, ça n'existait pas. Aussi, je sais plus, ça c'est dans les autres versions aussi, mais on peut mettre les têtes. Donc ça, je fais juste un... petit truc vite fait, donc on peut faire une frayeur, vous pouvez faire une frayeur à vos amis, comme ça vous faites juste dépasser la tête, ça peut être rigolo, moi perso j'ai déjà fait, bon, enfin voilà, donc, hop, donc je vais crafter les feux d'artifice, donc pour vous montrer que mes crafts ils fonctionnent bien, vous le voyez bien qu'ils fonctionnent, hein. Hop, mince. Ouais, hop. Donc ici j'ai fait une petite horloge pour vous montrer. Donc une horloge toute simple à faire que j'arrête en mettant une red torche ou pas. Donc si vous voulez la reproduire, voilà je vous la montre. Donc c'est cette torche envoie une impulsion. Donc il y aura besoin que 3 impulsions. Et normalement, si j'enlève la torche. Ah bah oui. Excusez-moi. Vous voyez, ouais c'est ça.
Donc je vais essayer de recrafter ceci, si je me souviens du craft, bien évidemment. Ouais, c'est bon, je suis pas bête quand même. Voilà. Voilà, donc je vais refaire un craft avec celle-ci. Ah, c'est énervant les bruits du dispenser. Je sais pas si vous l'entendrez. Mais moi, ça m'énerve. Enfin, ça, c'est pas très gênant, mais bon. Hop, et la dernière. Hop. Hop. Ah ouais, on peut aussi faire comme ça. Hop. Bon. Il y a plein de techniques après. Hop. Donc, hop, 3 gunpowder. Bon, j'en mets 2 parce que j'ai 2, je sais plus quoi. 2. Hop. Ah bah. Oh. Ah bah j'en. Ah bah. Ah bah. Ah bah. Ah bah non. Désolé pour les abats. Hein. Je vais essayer d'en mettre plus. C'est ça. Bon bah on va s'éclater juste un petit peu. Hop, hop, hop. Donc c'est juste pour vous montrer donc cette vidéo. Ah oui, dans la mise à jour de la 1.4, ouais donc dans la 1.4.6, il y a aussi une mise à jour de système de redstone. Donc ça par contre, je n'ai pas trop compris. Bon, je vais arrêter ça moi. Voilà. Donc, hop, je mets les petits feux d'artifice. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Ah oui, puis je vais vous montrer comment on invoque le Wither aussi, parce que ça fait quelques versions qu'il y est, je l'ai toujours pas montré. Donc, voilà. Donc, pour invoquer le Wither, il vous faut 3 crânes de squelettes atrophiés, que vous avez tout simplement en tuant des squelettes atrophiés dans le Nether, qui sont dans les forteresses du Nether. Ensuite, bah, je vais peut-être prendre une épée, moi. Ça pourrait peut-être être pas mal. Slash XP. Ah bah mince. Ah bah mince. Oh, punaise. Alex n'est pas un nombre valide. Forcément, et puis en même temps, je mets pas le bon nom. Non, parce que je vais enchanter mon. Je vais enchanter mon épée pour que ça soit plus rapide de. Oh oh oh. Bah, il y a eu le jour. Ah oui, bah c'est à cause de Nodus. Donc pour tuer le Wither Scott plus rapidement, je vais enchanter mon épée, je pense. D'ailleurs, il vous faudra aussi du sable des âmes. Donc moi, il me faudra ça, surtout. Si je veux pas y laisser mon âme, justement. Donc, hop. Là, ça va être de 20 à 50, je crois, les levels, quand si je mets comme ça. Bon, pas d'économie de bibliothèque, on est en mode créatif, on peut se lâcher. Donc, niveau 30, châtiment 4 et aura de feu 2. Ok, donc je devrais le tuer assez rapidement. Enfin, j'espère. Donc, le Wither Squelette, donc je m'écarte d'ici. Donc, comme vous le voyez, j'en ai déjà invoqué un tout à l'heure. Donc, ça a fait des dégâts. D'ailleurs, faut que je repasse en mode paisible, facile, normal, difficile. Non, on va passer en mode normal. Donc, pour invoquer le Wither, il faut mettre des sables des âmes comme ceci. Donc c'est parce qu'il y a de plusieurs à trouver. Mettez une tête comme ça. Une tête comme ça, bon ça peut être droite après, c'est pas gênant. Et une tête comme ça. Et là, il va faire un bruit affreux. Donc voilà, donc attendez, je vais tout de suite baisser le son. Car il fait vraiment un bruit très moche. Donc faut attendre que sa vie en haut, là, ici, se régénère au maximum. Voilà, et une fois qu'il régénère au maximum, ça va péter. Et vous attaquez.
Ah bah c'est sûr que je lui fais plus mal que tout à l'heure déjà. Parce qu'avec mon épée de tout à l'heure, je l'ai battu avec une épée. Avec une épée normale, on va dire. J'y ai passé un peu de temps. Alors que là, voilà. Donc comme vous le voyez, il est déjà mort. Et une fois qu'il est mort, il lâche cette petite étoile. Cette petite étoile qui, je pense, si vous ne le savez pas, je vous montrerai. Cette petite étoile qui vous servira à crafter. Tout simplement. Comment ça s'appelle déjà? Une balise, voilà, une balise. Donc il vous faut 3 obsidiennes et un de verre. Les verres, un de verre qui sont. Enfin, oh là, j'ai bugué là. J'ai bugué. C'est qui sont les. Le verre, il est où? Ah, 1, 2, 3. Bon, j'en prends 7, même si c'est. Je suis sûr qu'il y en a besoin beaucoup moins. Donc il y en a besoin de 5. Voilà, donc c'est pas un craft très très dur, hein. Je pense que c'est facile à retenir. Et voilà, ça crée une balise qui peut être activée via des blocs de fer, d'or et de diam, de diams, d'émeraude. Donc ça se met comme ça. Ouais, donc c'est obligatoirement des blocs comme ça, hein, parce que, enfin, des blocs. Voilà, et là, ça active pas. Ah si, voilà, c'est activé. Parce que si vous la mettez tout simplement comme ça, elle ne s'activera pas. Après, je sais pas si ça fonctionne avec des blocs d'opsy. Parce que ça fonctionne avec des blocs d'opsy. Mais non, c'est pas la même chose. Enfin, voilà. Donc, je vais crafter des feux d'artifice pour le fun. Mais si j'ai plus de gunpowder, ça va pas le faire. Et je vais vous laisser avec ce magnifique feu d'artifice. Je ne sais pas s'il va être magnifique ou pas, car je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, moi, je vous dis. Oh! Oh bah! Fire Rocket. Ah voilà, on a besoin de ça, mais c'est pas obligatoire. Hop, 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 hop. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut! Bon, Péchard, dans mon bureau, ça pas du tout là. Au boulot, y'a un lèche-boule. Oh, vous êtes génial! Au boulot, y'a un lèche-boule. Et le lèche-boule, il suce, c'est le patron, il gueule. Et 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 le patron, il gueule. Oh, c'est bien ce que vous faites. Au boulot, y'a une bonasse. Ouais. Au boulot, y'a une bonasse. Et la bonasse roule du cul. Le lèche-boule, il suce, c'est le patron, il gueule. Et le patron, il gueule. Et le patron, il gueule. Et le patron, il gueule. Ouais, c'est moi. Ouais, je suis trop bonne. J'aurais pas fait comme ça, hein. Au boulot, y'a un relou. Et le relou fait chier, la bonasse roule du cul, les lèche-boule il suce, et le patron il gueule, et le patron il gueule, et le patron il gueule. Ouais, enfin bon, c'était mieux avant, hein. Au boulot, y'a une connerre. Faut que je te raconte. Au boulot, y'a une connerre. Et la connerre blabla, et le relou fait chier, la bonasse roule du cul, et le lèche-boule il suce, et le patron il gueule, et le patron il gueule, et le patron il gueule, et le patron il gueule. Non mais c'est énorme. Au boulot, y'a un beau gosse. Hey, salut. Au boulot, y'a un beau gosse. Le beau gosse se la pète, la commère blablate et le relou fait chier, la bonasse roule du cul et le lèche-boule il suce et le patron il gueule. Hey, salut chérie, tu sais que t'es le plus beau visage de la boîte. Au boulot, y'a un gros porc. Ouh, ça vient. Au boulot, y'a un gros porc. Et le gros porc, il. Et le beau gosse se la pète et la commère blablate et le relou fait chier, la bonasse roule du cul et le lèche-boule il suce et le patron il gueule et le patron il gueule. Au boulot, y'a une chialeuse. Au boulot, y'a une chialeuse. Et la chialeuse elle. Et le gros porc, il. Et le beau gosse se la pète. Septième étage. Au boulot, y'a un ascenseur. Et l'ascenseur, il merde. Et l'ascenseur, il merde. Et l'ascenseur...